Y'a cette paire blanche qui se fait insulter. Pas le proprio du véhicule. Qu'elle vient tout juste d'aligner. Fâché ce dernier la bouscule. Y'a ce mec qui vend sa merde aux gosses en mal de rêve. Et ce gars qui rentre foncedé chez lui à l'heure où ses remparts se lèvent. Y'a cette mère de famille qui s'inquiète pour son fils. Et dès qu'il sort le soir, a peur des contraintes de la police. Y'a cet adolescent qui sort de boîte et qui tient même plus debout. Trop d'alcool dans le sang, il prend le volant et trouve la mort au bout. Y'a cet homme qui est les nègres, les bico même les juifs. On appelle ça un fils de pute, y'a pas d'autre adjectif. Y'a ces riches bourgeois qui se vouvoient entre frères et sœurs. Supérieurs car nous n'avons pas les mêmes valeurs. Y'a cette racli qui plaisante son petit ami à ses rempas. Il s'avère que c'est un rapza et à leurs yeux ça ne passe pas. Y'a ce jeune qui rêve de flingue, de thunes, de trucs de dingue. Qui ferait n'importe quoi pour pas passer pour une balle tringue. Y'a ce lascar irresponsable et inconscient. Qui a quelque chose à prouver aux gens et qui purge 10 ans. Y'a ce connard qui veut me la faire à l'envers. Je le vois venir à des kilomètres. Je sais pas qui s'avère qu'au bout du compte c'est moi qui vais lui mettre. Y'a cette femme qui pleure à genoux devant la tombe de son fils. Elle n'a que ses yeux pour pleurer et sa haine envers la police. Et stockard, sûrement endormi, pas réveillé. Qui gagne 50 millions au loto et qui va pas les chercher. Et cette vieille peau qui tapine et ramène pas de Yankee. Elle met pas le barreau, même au plus pervers des papis. Regarde ce SDF que le système a exclu. Ça fait 6 ans qu'il dort dehors, sa seule famille à lui c'est la rue. Y'a ce personnage qui demande des fonds pour la recherche. Qui détourne le capital et en fait bon usage. Et y'a ce kamikaze qui s'apprête à faire un attentat suicide. Dans un bus, prise d'otage, bonne de glace, big homicide. Et y'a ce jeune de cité qui aimerait tant changer d'air. Quitter les tours de béton pour une ville près de la mer. Ouais, y'a chauffeur de bus constamment angoissé et stressé. Qui bosse en banlieue chaude et qui a peur de se faire agresser. Y'a cette femme qui apprend sa stérilité. Elle qui projetait de faire des enfants. Pour l'adoption elle peut opter mais sera jamais une vraie maman. Y'a cette gamine qui perd sa virginité prématurément. Et qui devient rapidement une fille que l'embobine facilement. C'est huissiers de justice qui déboule chez toi. T'as pas de maillot, ils s'en foutent, ils en pensent tout ce que t'as. Ouais, y'a cette meuf qui joue la tasse en boîte et qui t'a kiffé. Donc t'es parti à la chasse, tu l'as bluffé, tu l'as niqué. Par la suite elle t'harcèle, mais quand tu lui dis que t'es déjà casé, cette grosse pute te fait béton quand elle t'accuse de l'avoir violée. Y'a cette pouilleuse qui se prend pour une bombe atomique, alors qu'en fait c'est une crasseuse, celle de mimique et d'être mimique. Y'a cette bête qui fourre une tasse sans savoir qu'elle a le das. Pas mettre de pote cassé, yes, mais jouer au con, c'est as. Et ce pauvre type qui se dit homme et macho, sans fierté, marié à une actrice de film porno. Et y'a ce gros crevard qui veut rien lâcher, c'est tout pour sa poire, prétentieux et avare, le genre de mec qui fout le cafard. Et ce mec qui arrondit ses fins de mois en vendant du shit. Et cette femme qui se dit saine or qu'elle suce des bites. Y'a ce gamin abusé physiquement par son professeur, blotti dans la peur devant ses parents qui se doutent de rien. Y'a des types eux qui ont grandi trop vite là où j'habite. Ils ont déjà tous fumé du shit au fond du business illicite. Et y'a cet homme qui frappe sa femme quand il a trop bu. Et ce gosse qui fugue de chez lui croyant que ses parents ne l'aiment plus. Et y'a ce prêtre de l'église catholique impliqué dans un réseau de pédophilie frappant l'Asie et l'Afrique. Et y'a ce rappeur qui bluffe les auditeurs et se fait passer pour ce qu'il est pas. Ce qui peut arrêter un killer t'es quand même si fils à papa. Et cette meuf perturbée psychologiquement, personne ne le sait mais son père l'a violée quand elle avait 9 ans. Et ce chômeur fini, désespéré, poussé à bout, devenu braqueur d'un soir et qui tente le tout pour le tout. Y'a ce faible d'esprit qui s'est fait indoctriner de spi. C'est devenu un lusky, un bouffon frustré repenti. Y'a ce jeune milliardaire qui mène une vie de château. Et cette famille de la misère qui survit dans le ghetto. Y'a des meufs graves qui disaient qu'ils pédavent. L'infomane qui se font les tours par plus de 20 mecs dans les caves. Y'a cette conseillère d'orientation qui m'a niqué ma scolarité. J'avais des capacités que j'ai soi-disant pas exploitées. Et y'a ces hommes qui n'aiment plus faire la fête. Qui veulent que leur vie s'arrête. Qui finissent avec une balle dans la tête. Ouais, y'a ce politicien candidat à la présidence qui fait de belles promesses au peuple puis qui se tire en vacances. Y'a ce Condé qui pédave de la queue scondée, tourné sur la consodée, jeune qu'il vient d'interpeller. Et y'a ce mec qui garde la foi malgré cette vie de chien. Celui qui en chie dans sa vie mais qui te dira tout va bien. Et ce tueur en série qui compte cette mort à son actif, qui agit en banlieue parisienne et qui est toujours fugitif. Et si tu te demandes pourquoi on te raconte tant de choses immondes, c'est qu'apparemment faut tout pour faire un monde. Car y'a des mecs comme moi ou des mecs comme lui. Y'a même des mecs comme toi. Ça donne le monde où l'on vit.